Il ne veut pas que les sourds aient le même problème qu'il a eu avant. On n'est pas des handicapés, on n'est pas des handicapés. On a notre langue, ce qui est la langue des signes. C'est important que tout le monde sache cette langue. Avant, tous les sourds avaient beaucoup de problèmes. Maintenant, avec cette association, on est très contents. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du travail. On apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formations. On est très heureux. On chante, on danse. On est toujours content. Chaque jour, il y a une... Voilà, c'est super. Il y a quelques années, chez moi à Tanger, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la rue, sourds, donc non scolarisés, isolés du monde dans lequel on vit. Et après une longue réflexion, je me suis dit, il faut bien quand même s'arrêter devant ce problème et essayer de réfléchir et pour faire une maison communautaire pour les sourds ou pouvoir aider ces enfants afin de leur rendre leur langage et de les envoyer à l'école. Il faudrait quand même étudier le métier d'audioprothèse pour pouvoir les aider, parce que bon, moi je suis pas ORL. On a deux volets ici, on a le volet enfant et on a le volet ado. Donc les ados aussi ne travaillaient pas, au chômage, n'avaient pas de formation. Donc on a commencé par la formation de la langue des signes. On a signé une convention avec l'OFPPT, d'accord, pour justement ancrer cette stratégie sur la région et la pérenniser, la fidéliser. Alors comment? C'est-à-dire la convention, elle consiste à former des professeurs techniques de l'OFPPT dans toutes les spécialités liées à l'industrie, tous les génies, génie électrique, électronique, mécanique, industriel, etc. Et du coup, le sourd va trouver en face de lui une panoplie de formations adaptées, étatiques et, je dirais, certifiantes pour avoir une formation qui lui confère la possibilité de s'insérer dignement, professionnellement, dans les normes de qualité, dans un milieu qui est industriel. Ici, on prend en charge les enfants qui se sont fait opérer d'un implant cochléaire. C'est des enfants sourds de base, c'est souvent congénital. Et on leur pose un implant au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casa. Et on nous les envoie ici sur Tanger pour rééducation orthophonique. S'il n'y a pas de prise en charge orthophonique, il n'y aura aucune évolution, parce qu'il ne suffit pas de porter un implant pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. On fait aussi beaucoup de guidance parentale, parce que sans les parents aussi, la rééducation ne sert absolument à rien. Donc la plus grande partie à faire, c'est surtout avec les parents qu'avec les enfants. Je n'accepte l'enfant que si la maman accepte aussi de faire de la langue des signes. Pourquoi ? Parce que je me bats pour la coéducation, c'est-à-dire quand l'enfant rentre chez lui, il n'a pas avec qui communiquer, donc j'aimerais bien que ce soit un des parents qui vienne apprendre la langue des signes. حنا كنتعلموا الاشاره باش كيفاش نعيشوا مع اولادنا وكيفاش نتفاهموهم حتى هما ما يحيدوا من ديك العالم السكوت ويعني يحسوا بشي حاجه راه شي واحد كيفهمهم في الدار. انا جبت ولدي لهذه الجمعيه، بغيت ولدي حتى هو يقرا ويتكون، يكون عنده شي حاجه، يعني ما يكونش عالة على شي حد اخر، لان دابا تقريبا عنده 12 سنه، هو ما عنده حتى شي تكوين، حتى شي تربيه، ما قرا، ما حتى شي حاجه. هو كان مع الدوله، ولكن انا جيت لهنا شفته ارتاح شويش، وانا جبت ولدي لهنا دابا تقريبا هاد السيمانه هو ارتاح وانا ارتحت. Il adore, il dit qu'il a appris beaucoup de choses avec les sourds. Ah, ce qui est très bien, c'est qu'il dit qu'avant, il n'avait pas de contact avec les entendants. Là, maintenant, il a du contact. Il y a les sourds et les entendants. Les sourds
tout le monde ensemble. Tout le monde, c'est tous des amis. Et lui, il aime.